Good morning, Alei, den les sous aujourd'hui le Nishmat Dov ben Yehudit Avidar Abram Avitar Abram Incheva Chaya Esther Bat Miriam Esrek Perez Ben Fortuna. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat Perek Yud Mishnah Dalet Hamid Kaven Laosi Lefanav Uvalo Leacharav Patur Leacharav Uvalo Lefanav Chayav Be'emet Amru Haisha Achogeret Besinar Ben מלפניה ובין לאחריה חייבת, שכן ראוי להיות חוזר. רבי יהודה אומר, אף מקבלי פתקין. Une Mishnah relativement simple qui va s'intéresser à la manière de porter encore un autre détail important, c'est justement, traduit directement, un mitkavan et l'otsi lefanav. Celui qui va transporter quelque chose, il va prendre concrètement sa, on va dire que par exemple sa bourse, il a l'habitude de la mettre dans sa poche, et ou plutôt de la caser devant lui, et il s'avère que pendant qu'il transportait pendant Shabbat, la bourse s'est tournée, elle est venue se mettre derrière lui. Or, lorsqu'elle est devant lui, elle est bien gardée, lorsqu'elle est derrière lui, elle est moins gardée. Elle est toujours gardée, mais moins bien. Donc du coup, il s'avère qu'en fait, il a voulu faire une melacha d'une manière mouchlémette, malgré lui, d'une manière totale, bien transporté en gardant bien, et malgré lui, il s'avère qu'il a mal gardé pendant qu'il a transporté, et que si c'est ça, il aurait préféré ne pas le faire du tout, d'accord? Dans ce cas-là, la Mishnah me dit qu'il est patour, il est dispensé de l'interdit de porter un korban, il n'a pas transgressé l'interdit de Hotsa'a, parce que pour Hotsa'a, on veut que si tu veux faire l'action bien, et qu'elle te sort mal, et bien, qu'elle te sort de médiocre, de mauvaise qualité, et bien tu n'es pas chayav sur l'action, d'accord? À la différence du cas où Léa Harav, si lui, par contre, c'est quelqu'un qui dit « ça ne me dérange pas si ma bourse elle est derrière, devant, c'est pas mon problème », il la met derrière lui, ou Balo Lefanav, et maintenant, pendant qu'il a force de marcher, de faire des... Et alors, il s'avère que la bourse, maintenant, elle lui passe devant, donc maintenant, elle est devenue super bien gardée. Là, dans ce cas-là, il sera Khayav, bien sûr, il sera condamnable, ok? La Mishnah continue en me donnant un exemple de sa Behemet Amour. Réellement, comme ça, nos maîtres ont enseigné, sur le même principe, Haïcha achogeret besinar. Alors, le mot sinar, on parle d'une femme qui a mis en ceinture son sinar. Sinar, ça pourrait être un foulard, c'est pas clair exactement, c'est quoi en fait, je vais vous expliquer. Il y a le... en général, on tue un turban, ça s'appelle plutôt un sinar. Mais là, cette fois-ci, on parle... Alors, c'est un peu compliqué parce que le Bartanan, il nous dit c'est quelque chose que la femme, elle met pour être plus pudique, une sorte de pantalon en fait, je dirais, des dessous. D'un collant plutôt, ou quelque chose, un caleçon, où il y a là-bas une poche. Apparemment, c'est comme ça que le Barton explique. Ken nichnasaim ktanim. Elle est comme si, comme des petits caleçons. Mais le problème, il est que des petits pantalons, un petit pantalon. Une culotte, mais de l'époque, comme des sans-culottes. Et donc, il y avait le Aisha Rogeret Bessina. Et maintenant, le problème, il est que quoi? Il est que, là, que c'est quelque chose qui peut se retourner de nouveau, que le derrière, il va passer devant. Or, si c'est quelque chose à la tête de pied, ça ne peut pas se retourner. Donc en fait, il faut dire qu'apparemment, c'est une sorte de turban qu'elle met autour d'elle pour cacher davantage ses parties cachées. Et c'est quelque chose qui peut se retourner et elle a bien une poche, d'accord? C'est ce qu'il faut déduire, quoi. Donc Aïcha Rogeret Bessinar, c'est une femme qui met en ceinture le même principe, le même sinar là. Maintenant, il s'avère que ce sinar là, il a toujours l'habitude de se retourner. Le devant, il passe derrière, le derrière, il passe devant, c'est constamment. D'accord, je ne sais pas, peut-être c'est en rapport avec sa matière, en rapport avec les mouvements de la femme. Donc c'est sûr que ça va se retourner à un moment. Alors là, dans ce cas-là, la Mishnah enseigne Ben Millefania, ou Ben Lacharia Chayevet. Qu'elle l'ait mise devant avec intention de le porter devant, ou derrière avec intention de le porter derrière, et que ça serait retourné. Dans tous les cas, elle sera Chayav. Pourquoi? Sheken Raoui Liot Roser, car tel est l'usage, tel est apte à être retourné. C'est-à-dire, là, concrètement, c'est l'usage de ce sinar, de ce turban qu'elle met autour d'elle, s'il est de se retourner sans arrêt, le devant passe derrière, derrière passe devant. Dans ce cas-là, inconsciemment, ou même un peu consciemment même, elle sait pertinemment que ce qu'elle met devant pour bien le garder, elle sait très bien que ça va passer derrière, elle veut quand même le garder de la sorte. Donc finalement, quand ça passe derrière, c'est pas un imprévu. C'était prévu que c'est comme ça que tu es porté. Même si tu aurais voulu faire encore plus, mais tu n'étais pas contre que ça fasse ce que tu veux faire. Ce qui était censé faire. D'accord, t'es pas contre, c'est pas que t'as été choqué que ce soit passé par derrière, que la peau et la bourse elles soient passées derrière. Donc c'est pour ça qu'il sera Khayov. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, Af Mekable Pitkin.
même ceux qui reçoivent les pitkim, les un pétex, c'est un mot, les lettres. Barthénoir, il explique. Comment il explique? Qu'en fait, ceux qui transportaient des lettres, ils les mettaient dans un petit tuyau, un canet, un tuyau qui était en roseau. Il le mettait dedans et l'accrochait autour de son cou. Maintenant, selon le cas, ça bougeait, ça pouvait passer par derrière. Selon Rabbi Yehuda, il te dit, tu sais très bien que quand tu vas te mettre à bouger et à partir, à galoper par exemple, tu sais pertinemment que ça va passer derrière. Donc, de ce fait, c'est le même principe que la femme, que tu seras chayav, quelle que soit la position, si tu as prévu de le mettre devant et que c'est passé derrière, quoi qu'il arrive, tu seras chayav. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Figurez-vous que Chachamim discute cette fois-ci, c'est-à-dire Chachamim n'ont pas discuté sur l'histoire de la femme, mais ils discutent sur l'histoire du Mekablé Pitkin. Et on a le Tosfot qui explique le Chashivli Choser. Alors, et c'est expliqué. Mais le Tanakama, malgré tout, il faut dire que spécialement ici, il a l'intention, il n'a pas l'intention, il préfère que ça reste devant et surtout pas derrière. D'accord? C'est un peu. On a du mal un peu à comprendre c'est quoi concrètement la marloquette. C'est-à-dire, je reprends maintenant l'histoire du canet. Maintenant, selon Rabbi Yehuda, il te dit, écoute, puisque le canet, le morceau de roseau avec la lettre qui est dedans, tu prévois de le laisser devant, c'est vrai, mais tu sais très bien aussi que ça passe derrière dès que tu vas commencer à bouger, et que tu vas le transporter avec en le portant derrière ton dos. Donc c'est prévu, puisque c'est prévu et que tu as l'intention de transporter, donc tu seras chayav. C'est ce que tu as voulu faire. Tandis qu'on a Rabbi et Chachamim discutent sur ça, et te disent, non, si je l'ai mis devant, c'est que je voulais qu'il reste devant. Et malgré tout, et je voulais qu'il reste devant, et de ce fait, s'il est passé par derrière, et ben c'est un imprévu, je voulais pas que ça se passe de la sorte, donc je suis plus khayab sur cette hotza'a, étant donné qu'elle a diminué de qualité. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, Salam.